Eh bien bonjour, bonsoir et bienvenue sur Arc Aberration, dans lequel du coup aujourd'hui on va enfin s'attaquer au Rogue Drake, donc plutôt au Dragon Rocheux. Ça fait extrêmement plaisir du coup de se retrouver aujourd'hui. Donc l'épisode sera du coup séparé en trois parties normalement aujourd'hui. Donc une partie du coup où on ira à la faille au Rogue Drake, donc au Dragon Rocheux. On va du coup aller chercher les œufs avec les autres, donc normalement tout se fera en multijoueur. Et ensuite une autre partie où du coup on va aller faire éclore, donc en gros si vous voulez lorsqu'on va aller dans la faille on va aller chercher des œufs pour à peu près tout le monde, sachant que tout le monde ne peut pas forcément être là. Et une dernière partie où du coup je vais un peu tester le Rogue Drake et vous allez voir... C'est vraiment plutôt pas mal. L'armée est en route. T'es pas obligé de chier sur tout le monde, là. Ah, il y a une petite attaque, trois fois rien. Oui. Manger 5 fruits et légumes par jour, les enfants. Il faut le faire, n'empêche 5. Dans un McDo, t'as quoi? T'as la salade, l'oignon, les tomates, cornichons. Et attends, on y reste. Et les frites? Les oignons. Et les frites? La patate, c'est un légume. Bah, les oignons aussi. Ouais, ah, ouais. Ou alors, si tu prends toutes les variétés de schnapps, tu y es aussi. Hein. C'est vrai. Mirabelle, prune. Quetch. Tout va bien. Tu te rends compte, tu manges une ratatouille, t'as moins de légumes qu'un McDo. Comme quoi, le McDo est meilleur. Regarde, Aka, depuis cette pointe, tu vises le champignon qui est en bas là-bas et tu atterris dessus. Où ça? Attends. T'as pas besoin de descendre du mégalosaure. Si t'atterris sur un champignon, tu descends pas. T'atterris sur terre, tu descends. Où est-ce qu'on doit atterrir? Ouais, mais je préfère quand même d'essayer parce que quand je vois qu'il a perdu. Tout droit, avec en face du champ. Voilà. Ouais, ah. C'est vrai que par contre, si tu te plantes, ah bah je peux tomber à côté, tu vois. Ce Béro, il a pris mon scar hier, je crois, de vie. Ouais. De manière, quand tu décèles, tu restes dessus, donc. Ouais. Ah, parce que hier, en fait, Béro, il a pas décédé et je crois qu'il a morflé 11 scars dans la gueule. Je suis coincé dans le champignon, les gens. Ah. Ok. On passe te reprendre au retour. Hein. Aïe, j'étais pas dessus. Coup de cul, va. Oh. Oh. Mais, bon, mais non. Mais remonte. Mais non, mais où? Vous pouvez laisser votre mégalosaure ici. Oula. Ouais, on peut pas tous aller, hein. Attends. On peut pas tous monter. Je fais deux voyages avec le radeau. Je peux avoir l'essence? Oui, 30 secondes, j'arrive. Tu viendras au prochain voyage. Hein. Non, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un encore. Regarde Nemes. Oh, Nemes, ouais. Dépêchez-vous. Quelqu'un peut monter? C'est bon, je suis là. J'ai ma lumière en plus, il n'y aura pas de Nemes. Ouais, mais j'ai 6, ça aurait été mieux que... Il y aura un dragon direct quand on arrive. Il y en a un dans l'eau. Le dragon. Ouais, allez-y. Bon, préparez-vous au fight. Ne tombez pas trop dans l'eau. Je vais faire celui qui est là-bas. On le bouffe. Et le drac. Sur la falaise. Ouais. Les gars. Je sais pas où il est en fait. Les gars. Ah, désolé. Ouais. Je le trouvais pas en fait. Elle est en train de me faire bouffer par le dragon. Il est sur le radeau avec les autres. Non, je suis là. Ah, ouais. Moi, je suis à pile. Ah, mais t'es revenu. Bah oui, il était là. Aïe. Oui, bon, écoute, là, il faut que tu descendes tout seul parce que ça veut pas. Ouais, si... J'ai abandonné le mégalosaure. Oh, il est chiant celui-là. Mais tout le monde veut me bouffer. Hein. Alors je vais. Excuse-nous de vouloir te sauver. Hein. Lâche-moi. Surveillez les dragons. Je vais vous dire où il y a les œufs. Je vous dis ici. Ok. Oh, merde. Starkey, si tu veux placer un sac de couchage. Ouais. Coin, quoi. On peut ici? Oh, ouais. Oh, sympa. On peut. Sac de couchage, tu peux partout. Il y a un œuf derrière un dragon. 3. Ouais, dragon qui saute. Il y a des boules. Sans mégalosaure. Nickel. Bon. Ça va arriver. Ils arrivent, il y en a encore. Ouais, ils sont là, ouais. Il y en a beaucoup. On va les taper beaucoup alors. Eh bah oui. C'est la fête. Oh, putain, attends, ça arrive encore. Hein. Oh, ça va, on est 6 à taper aussi. Ouais, ça va aller vite. On reste un petit moment parce que souvent il y a eu des retardataires. C'est parti! Ça arrive. Mmh. Je vois. Ah oui, ouais. Ah ouais. Oh, c'est marrant. Salut les copains! Ah bah oui, ils sont sur moi. Je disais, mais pourquoi ils me suivent? C'est vrai. Il paraît que j'ai quelque chose à vous. Du coup, bah, vous pouvez continuer à faire les œufs un petit peu de cette faille, parce que ça a dû peut-être réapparaître. Moi, je vais retourner en haut.
Bah, du coup, je vais aller au MK. Peut-être aller là-haut, moi, juste au-dessus. On va... De toute façon, même maintenant, si vous voyez des nids qui étaient déjà, il faut chaque fois les refaire. Hein. Ah bah d'accord, AK m'a devancé. Non, 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 vas-y, vas-y, moi, je vais de l'autre côté après. Là, j'en ai un, moi. Ah, c'est le 15 d'avant. Ah non, tu l'as pris ? Non, c'est un autre 15. Oh, super. On les garde. 55, celui-là. On les garde pour les basiliques. Bah, attends, je prends pas, je vois d'abord... Jesse, je pensais, tu sais, tu disais il faut des œufs pas forcément fécondés, mais ils pondent pas hein, de base. Okay. Avant de le prendre, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes nids où il y a les œufs. Tremblement de terre, utilisez pas les grappins, on le sent pas, mais il y a un tremblement de terre. Skel, t'as été voir plus au-dessus s'il y a quelque chose, non ? Non, il y a rien. AK est monté, je crois. Moi, j'ai rien vu, ouais, au-dessus. Ok. Tain, c'est toujours pas bon, hein, le tremblement de terre, je vous le dis. Ouais, je sais. AK, là, t'es là, Starkey, t'es là-haut, ok. Yep. Et j'ai un œuf. Ah. Ouais, c'est toujours les mêmes nids, hein, les œufs. Et 485. Ouh. Ok. 485, waouh. Tout le monde est plus ou moins prêt, on doit attendre oui. encore. En position, tout le monde, nous prenons l'œuf dans 3, 2, 1, clic. Bonne année. Aussi. C'est bon, je suis sur mon mégalo. Moi, je sais pas où il est mon mégalo. Il est là. C'est bon. Moi, je ferme mes ailes en plein vol, moi. Bah, qui n'a pas fait de nid encore ? Wow. Ah, moi, j'en ai pas encore. Gwen et moi. Ah bah, venez ici. Ça prend encore repop. Non, non, ça prend 2 minutes à repop. Mais des fois, il peut repop sous vos yeux. Ah, il y en a un qui repop au même endroit, pile poil. Surveillez votre tenue aussi. Level 100 encore. Mais c'est j'ai là, l'impression que c'est le même level en fait. Plus haut. Non, bah non, avant j'ai pris un level 100 et là j'ai un level 185. C'est bizarre, j'ai encore level 100. Pouf. Il y a un 9. Combien ? Ouais, moi ça va pas. Et moi j'ai du 15. Waouh. Attends, je vais venir de ton côté en dessous, il n'y a plus rien. De mon côté, il n'y a rien quand même. Ça va, Starkey, t'es en place ? Ouais, je suis en place. Mitsu ? Non, tout le monde est en place ? Oui. Pour moi, oui. Alors attendez encore 2 secondes. 3, 2, 1, clic. Hop, voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Le problème, c'est que là, moi, je commence à revenir de loin. Allez. Transférer l'œuf dans l'inventaire. Ouais. Starkey. Il est mort. Il y a encore qui arrive hein, derrière. Ouais. Bon, on peut remonter ? Je pense qu'on peut remonter, ouais. Eh ben, je remonte et après je te laisse la place. Okay. Mitsu, tu veux de la viande ? Si t'as de la cuite un petit peu, ouais, pourquoi pas. Après, je mange la crue, ça me va. Mais... Moi, j'ai tout prévu. Oh là 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 là. Ah ouais, ok, il y a encore un petit rapport. Une arbalète dans la maison ? On va bien. Level 190. T'as un œuf là, Starkey, chez toi ? Ouais, ouais, 190. 190 ouais. Normal. Ah, je tombe. Attends, c'est bon. Donc là, il y a des nids, mais ils sont vides, hein, ceux-là. Tout le monde est prêt ? Ouais. Ouais. 3, 2, 1, clic. Je suis foutu, hein, on est d'accord. Starkey, c'est bon. Ouais. Youhou ! Aïe. C'est bon. Wow. C'est bon. Non, c'est pas, bon, c'est pas encore bon, c'est pas encore bon. Mais merci, c'est bon. Ça va. Ça arrive, ça arrive. Oh, putain, ça va arriver parce que j'ai pris tout au bout de la faille, donc tous ceux du bout ils vont arriver. Qui c'est qui arrive ? C'est quoi ça ? Ah, c'est un Nameless. Putain, j'ai cru que c'était quelqu'un. Là, il y en aura un peu plus. Un dragon de Noël encore. L'event c'est jusqu'à ce soir, hein, donc. Ouais. Bon, c'est un peu plus tard pour nous parce que c'est ce soir minuit pour les. Pour les merlocs. Ce sera demain matin chez nous. Mm-hmm. Je refais tous les nids du coup parce que là, vu que j'ai enlevé des œufs tout au fond, il peut en avoir des. Encore un niveau 20 quoi. J'ai encore un œuf, t'es sérieux ? Ça fait 4 œufs d'affilée, 150. Bah, c'est bien. Ouais, ça fera des levels pour tout le monde. Vous pouvez pas descendre hein, ici. Jesse. Même en tout temps. Non, mais je suis au bon endroit, moi. Je suis pas là-bas, moi. Ah ouais, non, mais il y a 2 débiles sur un fil. Là. Oh, bon, ça me voilà. Tant de Dieu.
Ah non, ah non, ah non, ah non, je me suis trop maquillé. T'es tombé. Voilà, bah ça fera 3 débiles sur un fil. C'est ça. Même pour monter, il y a le Spino à Starkey qui arrive à emmerder. Quoi? C'est fou, par exemple. Où ça? Même pour monter. Monter où ça? En bas, il est sur ton fil de tyrolienne. Ah, bah oui, non, mais tout à l'heure, je s'est passé pour protéger Béro si jamais il y avait un dragon. C'est mieux comme ça, Top. Quoi, t'aimes pas mon iroquoise? Je vais te donner un coup de bâton lumineux, viens là. Non, 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 non. Allez, il court, le furet. Vous avez commencé les éclosions? Bah j'attends. Non, on vous attend. Ouais. Mais non, Starkey! C'est presque. Ah, mais arrêtez de mettre la lumière, c'est chiant. Mais justement, voilà. C'est top, bon. Hein. Non, moi je la veux. Non, ça va, c'est moi. Voilà. Qui c'est qui a fait ça? Human Feces. Mitsuo! Oh bah, c'est merde! Bah, je sortais mon caca sur mes fondations. Hein? Putain. Touchez pas mon caca, c'est mon caca, personne approche mon caca. En plus, ça fait tellement bien que j'ai coupé l'enregistrement. Hein. On approche pas mon caca. Ah, c'est bon, on est au complet. On avait bouton. Bérenard. Il est vraiment de tambour. Allez, c'est parti. Il ne le mange pas. Oh. What? Ah bah il l'a mangé. Il est où? Pardon. Starkey rend l'œuf. Pardon. Allez, incubation. Bon, on a 3 minutes. Minutes. Hein. Ça va la minute 3 minutes 36. La. 30 secondes pour Béro. Bon Béro, tu le fais éclore ou comment ça se passe là? Plus vite garçon, plus vite. 25 secondes. 20 secondes. 20 secondes. Véro, il a du ping. Véro, quoi? Une seconde d'écart. 12 secondes. 11. Enlevez vos œufs. On ramasse vos œufs. On ramasse. 10 secondes. 5. 7. 6. 5. 4. Allez, Véro! 3. 2. Tu crois que ça va être une araignée? Bonne année! Waouh! Waouh! Oh! Il est beau. Ah, il est pas mal. Il est vraiment pas mal, le tien. Bien joué bon, pour un premier. Allez, casse-toi maintenant. Ma grand-mère. Allez, viens. Ah, attendez, on oublie un truc, les gars. Ouais. Bon, qui veut passer en deuxième? Moi, je vais être en troisième. Bah, vas-y, Starkey. Béro, éloigne ton dragon, du coup. Mais le en proche, hein, pour qu'il te suive. Ouais. Il a pas l'air d'avoir envie de... Ouch! Et vous êtes prêts pour le décote, là? Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Allez, Starkey. Allez! Ouais! Il est brun! Il est tout brun! Ben, ça va, c'est sympa. Ouais. Il y a un peu. Moi, c'est un mâle. Bon, je fous le mien. Ah, vas-y. Ouais, il y a un sexe. Le mien, il faut qu'il incube encore. Oh ouais, bah écoute, le mien c'est dans 30 secondes. Ça, on aura le temps, hein, un coup de... Et la maturation, elle monte comment, Béro? Vite ou pas vite? 1,8. Ah. Oh, ça va, c'est vite, hein, c'est rapide. Allez! Oh! Des juments! 190! Ouais! Enfoiré! En plus, ils sont beaux, hein. T'as vu, il a même le bout des écailles violets, là. Ouh. Bon, venez parler, les petits. Allez, mioche. Astil, ton œuf. C'est qui l'œuf qui traîne du côté, Astil, là. Astil. Ouais. Oh, il est sympa. Il est, oh, il est bleu. Oh, putain, il est trop bien. GG. AK, il aura le plus beau. Des triplés de Noël. Oh, stylé. Sympa. Ah, bien joué. En plus, avec ton casque, il reconnaît direct sa maman. Tellement mignon. 5. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année. Ouh. Oh, intéressant. Eh, franchement, bleu. Vert, pardon.
Alors il est rose et blanc. Putain, je te raconte pas, il est stylé. Mais non, mais on a tellement dit bleu avant que maintenant ça me reste. Non, non, mais il est bien. De toute façon, c'est pas la couleur finale pour toi. Non. Attendez, je vais vous l'enlever de là. Attention, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais oh, très scient. Il est encore plus scient que. À chaque fois, tu vois une réaction. Oh. Oh, il est joli. Hein. Il est très scient. Oh. Il est omniscient. Attention, 3, 2, 1. Ouais, mais là, ça tremble. Oh. Oh, doré. Oh. Presque comme moi. Et attention. Allez. Oh, il est stylé. Waouh! Ah, mais c'est joli la crête violette comme ça avec le bleu. Ouais. Il est vraiment... C'est drôle parce que Jesse qui est en bleu, il a eu vraiment un dragon bleu. Aka qui est en vert, il a eu un dragon vert. Il a eu un dragon. Moi qui suis multicolore, j'ai eu un dragon de merde. Bon, très bien, du coup, nous voilà devant un 9 de Rock Drake. Le deuxième, level 150 et. Des jumeaux. Des fucking jumeaux, c'est génial. Alors, hop, tu vas venir par. Non, pas par là. Voilà, merci beaucoup. Et ils sont. Vraiment, hein, putain, ils sont beaux. Orange en dessous et bleu au-dessus. Ah mais c'est génial. Franchement, c'est juste génial. Alors par contre, du coup, il y a eu un petit problème au niveau, je pense, des imprints. Du coup, on a fait directement un imprint de 100%. Je pense que du coup, vous l'avez vu. Pourtant, bah, les options sont bien configurées, donc c'est assez chelou. Mais dans tous les cas, bah, écoutez, mon dragon va grandir. Voilà, au fur et à mesure, tous les dragons vont grandir. Le mien, voilà à quoi il ressemble. Même si normalement, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Plus ces deux petits jumeaux, bon, par contre, forcément, bon, c'est beau la couleur, mais vu leur level, est-ce que je vais réellement les utiliser, je ne sais pas. Au niveau oxygène, alors parmi son bas, Stam aussi, vie, apparemment il est haut en vie, si je ne me trompe pas, par rapport au mien, il était plutôt pas mal haut en vie. Les dégâts, mouais, poids, ça passe, donc je pense qu'il a, d'accord, je pense qu'en fait, il a tout attribué dans la fin, si je ne me trompe pas. Sachant que toi, tu as combien? Tu as 8000 de faim, voilà, donc toi tu es très haut en vie, enfin. Donc je pense que tu vas très rapidement finir au bûcher. Ouais, je pense que ça, du coup, ça a plus passé comme ça. Donc bah écoutez, du coup, on va faire grandir au fur et à mesure les Rock Drake, ça prend environ 22 minutes, je dirais plutôt, pour l'imprint. Donc ça va, c'est pas non plus extrêmement long, mais voilà, on va faire ça au fur et à mesure. Dans tous les cas, toi tu vas venir par là, voilà, comme ceci. Si évidemment tu veux bien, voilà. Mais franchement, je trouve qu'en dessous c'est vachement beau, quoi, un peu orange, rouge. Ah, c'est vachement beau. Franchement, j'aime plutôt bien la couleur. Autant pour celui-ci, bon, c'était plutôt bof. Mais celui-là, je l'aime plutôt bien. Bon, moi, du coup, voilà les trois Rock Drake qui sont du coup ramenés en haut, donc à ma base. Alors, du coup, j'ai envie de me rendre compte que je vous avais pas encore montré, en fait, l'état de ma base maintenant en stone. Donc, ça change un tout petit peu. Alors, évidemment, j'ai pas encore terminé tout ce qui est plafond ici, même tout ce qui est fondation, parce que je ne sais pas du tout, en fait, ce que je compte faire. Si je compte mettre uniquement des fondations, et si c'est le cas, bah, jusqu'à où, sachant que ça va quand même être extrêmement coûteux. Ou alors, si je compte mettre de temps à autre des fondations pour du coup soutenir les plafonds que je vais mettre ici. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, on verra bien, mais je pense que bah, les fondations c'est extrêmement coûteux, donc je sais pas, très clairement je sais pas, j'aimerais bien commencer la maison très bientôt, parce que si on remarque bien, je suis comme level 69 et j'ai toujours pas de maison, si on remarque bien, j'ai déjà débloqué jusqu'à quoi, j'ai débloqué, qu'est-ce que j'ai débloqué en fait, j'ai débloqué, voilà, déjà le broyeur, donc bon. J'ai quand même un tout petit peu de retard. Mais bref, du coup, ici, j'ai deux Rock Drake qui vont servir à rien. Littéralement, peut-être lui, de temps à autre, pour le poids. Et encore, j'hésitais. D'ailleurs, toi, t'as combien de poids, toi? Je vais aller voir. Toi, tu as 817, d'accord. Alors, je pense que du coup, toi, tu vas servir pour le poids, pour les voyages de transport. Hop, comme ceci, on va augmenter, hop, uniquement le poids. Mais du coup, simplement, alors, maintenant, il me faut des noms. Voilà, donc, je cherche des noms. Alors, si jamais vous en avez, n'hésitez pas, du coup, à les proposer éventuellement en commentaire. Je suis toujours preneur, parce que, bah, du coup, il y a les trois Rock Drake qui n'ont pas de nom. Voilà, donc, à part les appeler poids, combat et fin, voilà, je pense que c'est pas forcément intéressant. Donc, bref, vous avez compris. Et du coup, j'ai aussi de remarquer un truc, c'est que, bah, déjà, on avait forcément une option invisible, hein, forcément, parce que les Rock Drake, en soi, sont invisibles de base. Mais... Je pensais pas que ça utilisait la stam en fait. Si on remarque bien, là, ça, la stam elle bouge plus, elle ne recharge pas. Si je monte dessus, on voit du coup la stam qui s'utilise. Alors, je pensais pas
du tout en fait que ça utilisait de la stam. Donc bon bah écoutez, pourquoi pas. Pour planer, franchement, je trouvais ça. Bah, en fait, je trouve ça juste génial. Littéralement, je trouve que c'est génial. Je pensais que c'était beaucoup moins maniable parce que d'après ce que j'avais vu en fait dans le trailer. Enfin dans le trailer. Dans le test plutôt. Les testeurs du coup en fait avaient quand même un peu de mal à manier les Rock Drake, mais en fait ils sont plutôt facilement maniables, écoutez. Donc là on peut planer, tac, ici du coup je vais viser, tac, et je peux monter ici, donc franchement c'est juste un réel bonheur. Ensuite pour le combat, on va pas se le cacher, c'est littéralement une tuerie ce machin, mais c'est un truc de dingue. Regardez ça, il tape du 353, mais tout à l'heure je me suis fait un Alpha Carkinos, mais tellement facilement, c'est ouf franchement, c'est tellement ouf. Là, ça défonce tout. Franchement, je pense que ça défonce tout. Donc, on ira très certainement chercher d'autres offres, en fait, de Rock Drake. J'irai peut-être éventuellement me trouver un autre 190 s'il y a, éventuellement. Comme ça, je me ferai un de combat. Enfin, un tank, un de combat. Donc, vraiment, que axé sur les dégâts de mêlée. Un pour le poids, etc., etc. Parce que là, c'est... Ah, mais c'est génial, ce truc. C'est juste littéralement génial. Alors, par contre, par rapport à la stam, c'est pas non plus génial. Hein. C'est pas excellent. Mais, franchement, c'est plutôt pas mal. Moi, franchement, je ne crache pas dessus, j'adore le Rock Drake, très clairement c'est un truc que je surkiffe. Donc ouais bah écoutez du coup je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode, parce que bah je pense avoir fait le tour. Alors du coup c'est un épisode assez simple aujourd'hui, j'ai quand même fait un petit peu de montage pour essayer de de regrouper un peu les meilleurs moments du moment, du coup on va chercher le Rock Drake. Donc j'ai séparé l'épisode en plusieurs parties, le moment on allait chercher, le moment où on du coup le faisait éclore, et du coup le moment où je testais, et c'est juste un putain de bonheur, très clairement, je vais pas le cacher. Je pense que je vais souvent utiliser encore mes ravageurs, les mégalosaures, sachant que les mégalosaures sont complètement pétés, mais le Rock Drake, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, éventuellement, s'il y en a qui savent, éventuellement, si les Rock Drake peuvent aller dans la zone radioactive, ça c'est un truc qui m'intéresse plutôt pas mal, sachant que si c'est le cas, c'est encore plus pété, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, c'était Starkey, à la prochaine, et puis bah salut.